Salut à tous les cartooners. Depuis la vidéo sur Kaelou, je vous avais promis que j'allais faire 20 faits sur Gumball. Mais finalement j'ai mieux, on va faire 20 faits sur la famille Watterson. Si tu es un grand fan de Gumball, n'oublie pas de bombarder la vidéo de pouces bleus. Je t'invite aussi à aller voir mes deux dernières vidéos sur ma chaîne secondaire. Allez, tu es prêt? C'est parti. Dans l'épisode La Promesse, on apprend que Gumball est en réalité un surnom. Bien que les origines du surnom demeurent inconnues, il adopte définitivement comme prénom légal à la fin de l'épisode le nom. Les photos de bébé de Gumball dans l'épisode Le Trésor montrent qu'il est né avec une tête déformée. Mais il semble en bonne santé sur les photos dans l'épisode Le Héros. Et après sa naissance dans l'épisode Les Choix. On apprend dans l'épisode Le Club que Gumball ne sait pas nager. Comme Gary, les hanches de Gumball sont larges. Ce qui est inhabituel pour un personnage masculin. Mentionné dans plusieurs épisodes, Darwin est apparemment plus petit que Gumball. Dans l'épisode Le Sous-Fifre, il confirme avoir 2 ans de moins que lui. Dans l'épisode Le Génie, il est révélé que pour la famille Watterson, Darwin est un animal de compagnie et non un enfant de la famille. Selon une interview, Darwin est inspiré de Paul, un ami d'enfance de Ben Bokele. Anaïs est très souvent vue avec sa robe. Cependant, dans l'épisode Le Domaine, on peut voir qu'elle a, comme presque toute sa famille, des hanches larges. Il est révélé dans l'épisode Le Braquage que l'adresse email de Anaïs est anaïs.watterson@elmore.com. Richard mesure 1m95. Dans l'épisode La Télécommande, on apprend qu'il sait parler espagnol. Comme on peut le voir dans l'épisode Le Travail, s'il trouve un travail quelque part, l'univers risque d'être détruit. Son prénom est basé sur Richard Bokele, le père de Ben Bokele. Dans l'épisode Les Parents, il est révélé que le premier prénom de Nicole est Docteur. Et Nicole est son deuxième prénom. Johanna a mis au monde Richard à 25 ans. Comme Richard a 38 ans, elle a 63 ans. Dans l'épisode Les Hommes, Mamie Jojo dit que son corps est tellement métallique qu'elle est classée dans les véhicules à moteur. Daniel ressemble à Grumpy Cat, une chatte devenue célèbre sur internet en raison de son expression faciale mécontente. Le nom de famille de Marie Sonicourt, c'est-à-dire Sonicourt, est le nom de jeune fille de Nicole Bokele, la mère de Ben Bokele. L'ambition de réussite de Marie envers sa fille rappelle celle de Nicole envers Gumball dans l'épisode Le Frigo. Lui ressemble à Mickey Mouse et au rat de Disney de la bande dessinée du journal Pierce Before Swine. Kenneth et ses motivations semblent s'inspirer du monstre du film classique The Blob. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dis-moi en commentaire quel est ton personnage préféré de Gumball. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et de me suivre sur mes réseaux. On est bientôt à 5000 abonnés, on lâche rien. Sayonara.